Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, il n'y a pas de ministre français à saluer. Visiblement, ils auront vraiment marqué leur absence en permanence dans cette présidence de l'Union européenne. Nous avons une opportunité extraordinaire avec l'ajustement carbone aux frontières, enfin, d'avoir une politique climatique à la hauteur de notre empreinte carbone en prenant en compte les importations. Et puis, c'est une opportunité extraordinaire pour mettre en place un cercle vertueux. Notre industrie va innover dans le bas carbone. Potentiellement, on va réindustrialiser, créer des emplois autour de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais pour ça, il faut qu'on soit à la hauteur dans la mise en œuvre de l'ajustement carbone aux frontières. Et Monsieur le Vice-président, vous le savez vous-même, la Commission le sait, la Cour des comptes le sait, ces quotas gratuits, elles pourrissent depuis des années et des années notre ambition sur le climat. Elles pourrissent la capacité de l'industrie à innover, à avoir des revenus pour financer la transition climatique. Donc, dans ce moment-là, j'en appelle à mes collègues, il faut voter comme l'a fait la Commission environnement, sur maximum 2030 pour la fin des quotas gratuits, sur l'élargissement des secteurs impactés et sur l'aide aux pays les moins avancés. Alors, soyons à la hauteur du défi, soyons avec la Commission européenne et j'espère avec le Conseil à un moment donné sur une ambition à la hauteur du défi climatique. Merci.